Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. On se retrouve avec le jeune Dire 2850 qui est plutôt pas mal, même très très bien modé, pas d'erreur, rien. C'est incroyable ça, presque. Il est très beau. Donc on va monter à l'intérieur. Alors le bris est tout simplement magnifique. Donc on va aller à l'intérieur vite fait. Donc l'intérieur, regardez, c'est même pas pixelisé, rien, c'est propre. J'ai envie de dire, ils ont fait un mode assez simple. Donc il fait pas grand chose en fait. Tout simplement, je vais vous remettre ça. Donc il fait que avec la touche 6 du numpad, et c'est la lumière arrière, et c'est tout ce qu'il fait. Les clignotants, donc la touche, attendez, hop, la touche 1 c'est pour les clignotants du côté gauche, les warnings et les clignotants du côté droit. Il n'y a pas de gyrophare, ça c'est bien dommage par contre qu'il n'y ait pas de gyrophare. Ils auraient pu mettre un gyrophare quand même. On voit une chape et il n'y a pas d'attache. Sinon, c'est tout. F pour les lumières. Ouais. Bon, ils ont voulu aller au plus simple, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur non plus dans le mode, puisque voilà, ils n'ont pas cherché à faire compliqué en fait, hein. Et ça, c'est plutôt cool en fait. Vaut mieux avoir un mode comme ça. Alors, hop, ah d'accord, c'est la poignée de porte. Vaut mieux avoir un mode simple, mais bien fait. Bon, quoique, nous en tant que joueurs, on aime bien un petit peu le côté réaliste des choses, hein, donc on aime bien avoir plein de choses en fait, plein de fonctions sur le. Donc ça doit être. Ouais, c'est là-bas. Je vais lui mettre une remorque. Tout simplement. Je vais lui mettre une remorque. Parce que j'ai mis la moissonneuse un petit peu à faucher. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je ferai d'autres présentations de mode, vu que c'est la map pour présenter les mods. Donc on peut pas attacher de remorque. What? Ah si, pardon. C'est moi qui raconte n'importe quoi. J'ai enlevé le truc, c'est pour ça. Voilà. Tout simplement, quand on fera des présentations de mode, j'aimerais les faire avec des remorques remplies, des trucs comme ça, juste pour voir un peu comment, à quelle vitesse il tire le tracteur et tout. Donc là, on va essayer de lui faire. Attendez, je vais vous remettre ça. On va tenter de lui faire faire une pointe pour voir comment il roule à peu près. 31. Excusez-moi, j'arrête pas de tousser. Alors, j'ai envie de voir un truc. C'est vrai que j'avais pas fait ça dans le dernier épisode. J'ai envie de voir s'il abîme les cultures. Non, pas du tout. Faut savoir que le casque que j'avais présenté dans l'épisode. L'épisode juste avant. N'abîme pas les cultures non plus. Ça, c'est un petit défaut. Parce que. C'est un défaut et pas un défaut. Parce que quand ils sont en légumier comme ça, on n'aime pas trop qu'ils abîment les cultures. Parce que quand il faut, admettons. Tirer les patates et les betteraves, le tracteur il est devant si vous faites avec des vieilles machines, si vous faites avec des vieilles machines. Donc d'un côté c'est pas plus mal qu'ils abîment pas les cultures, et d'un autre voilà, ça restera un sujet, ça restera un débat en fait, tout simplement. Bon bah écoutez, je suis juste venu juste le vider, et maintenant on va aller lui faire le test des freins et les plots. J'ai laissé les plots exactement pareil en fait qu'au dernier épisode. J'ai envie de vous dire, c'est presque. J'en ai tourné deux à suivre là. Deux. Le CAS et celui-là, je le tourne presque à suivre, hein, je vais pas vous mentir. Je n'ai pas le choix parce que voilà. J'ai pas envie d'être à la bourre après. J'ai pas envie d'être à la bourre à faire des présentations de mode. Donc je vais allumer. Je vais éteindre. Je vais allumer. Non, j'éteins les lumières, tout simplement. Et puis on va aller lui faire le petit test des petits freins. Donc c'est pour juste vous dire que j'ai pas vu encore vos commentaires du premier de la première présentation de mode. Donc j'améliorerai. Je pense améliorer encore et encore. Hein, j'apprends hein, fur et à mesure. En plus vos conseils vont sûrement m'aider hein, puisque vous êtes vraiment des passionnés. Et en tant que passionné, on a toujours des petits conseils à se donner. Hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Moi je vous dis hein, ma chaîne YouTube c'est limite comme si c'était un forum. Hein, Il n'y a pas de souci, vous pouvez marquer tout ce que vous voulez. Même si vous aimez pas, franchement, marquez-le. Et en fait, le fait que vous me dites, tiens, j'aime pas ça ou j'aime pas ça,
je pourrais aviser, améliorer. Voilà, tout simplement. Donc la masse était restée là en fait. Donc, petit test de freinage. Allez. On est parti en 3. Ah, c'est plutôt pas mal aussi. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. On va dire que tant qu'il dépasse pas la fleur violette là qui est là, hein, c'est que c'est bon. Hein. S'il arrive au panneau là-bas, c'est que c'est pas bon. Hein. Et si on arrive dans l'autre champ là-bas, c'est encore pire. Donc regardez bien la fumée et tout, c'est. Hop, là je vais pousser, voilà. Dès qu'il est en effort, en fait, il va fumer noir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Regardez là, il est plus en effort, hein, et ça y est. Hop. Et si je ralentis et j'accélère, voilà. Donc, fumée assez réaliste. Donc, on va voir s'il passe le test. Oh putain, facile encore. Après, j'ai mis trop près les plots, hein. Je le sais. Hein. Oh. Je le sais, j'ai mis un petit peu trop près les plots. Il faudrait vraiment que je les déplace. Un petit poil, pas grand chose. Après, pas grand chose. Hein. J'avais pas mon mètre pour calculer. Hein. Vraiment désolé. J'ai fait ça au pif au mètre, on va dire. Donc, allez, on est parti. On va tenter le tout pour le tout. Non, j'ai pas réussi, j'ai merdé. Je suis sûr qu'il passe en plus. Est-ce qu'il fait hein, comme dans la vraie vie? Parce que les roues, ah, il me manque quelque chose. À la base, les roues s'inclinent un petit peu quand on tourne. Bon, après, c'est pas, c'est qu'un détail. Ouais, c'est qu'un petit détail. Normalement, les roues s'inclinent un peu, hein, surtout sur les séries 22 là. On va pas tenter. Bon bah c'est plutôt pas mal. On va dire que le test des plots là, on compte pas trop parce que franchement les plots. Attendez, on va voir si on peut si on peut dégager un peu un plot ou deux là. Alors les plots c'est où? Vendre. Donc ma ferme est où déjà? Tac 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 tac. Mes plots sont là. Ok, attendez, on va remettre ça. On va remettre ça d'aplomb. Les deux derniers étaient bien. On va dire que les deux derniers étaient bien. On va essayer de se mettre pareil à peu près. On va dire que celle-là et celui-là, celle-là. Voilà, retour. Allez. Je sais pas si je les ai pas remis en pareil. Ah, j'ai vraiment la crève, hein, désolé. Hein. Allez, c'est parti. On essaye, on tente. Le tout pour le tout. Ah non, j'ai mieux mis. Désolé pour les bruits de volant. Non, il passe facile. Allez, on adopte. Moi, je vous le conseille quand même, parce qu'il est idéal pour les petites fermes, aussi bien pour les moyennes. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, marquez dans les commentaires ce que vous avez aimé ou ce qui vous déplaît. Juste un truc, juste pour essayer, je voudrais voir un truc. Un rayon de braquage un peu là. Ouais, est-ce que faudrait que je trouve un endroit en fait où je puisse faire un rond comme ça et ah ouais, ça pourrait être pas mal ça. Mettons, ouais, y a trop de voitures. Faudrait que je trouve un endroit assez confiné en fait. Ah bah écoutez, je prendrai un tracteur en fait qui abîme la culture. Je prends un rond, je prends un cercle avec et après je ferai des tests avec avec cela pour voir si. S'il dépasse le rond ou s'il reste dans le rond. Voilà, tiens. Pour les prochains modes, je ferai ça. Histoire de voir le rayon de braquage, en fait. Voilà. Mince, j'ai pris le machin. Donc, moi là-dessus, bah, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Portez-vous bien, pardon. Et ciao. Allez, salut!